Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la suite de cette carrière avec Lyon. J'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va affronter le Stade Rennais Dijon, je pense. Et si je me souviens bien, c'est Dijon. Dijon et l'Ajax. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je vais. Je pense que je vais être obligé de jouer le match face à Dijon. Le championnat est hyper serré avec le PSG. Donc voilà, je pense que je suis pas mal obligé de jouer le match face à Dijon. Je pensais le simuler, mais bon, on va voir. Enfin bref, allons tout de suite au match face au Stade Rennais. On perd pas de temps aujourd'hui, on y va direct, let's go. Oh my god. Oh my god. Attends, 5ème minute de jeu. De paille. Ok, c'est genre le truc que je m'attendais le moins, je suis désolé. Mais j'ai failli tomber de ma chaise. Donc, de paille. Oh calme. Memphis Depay. Oh calme, j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. Oh my god. S'il vous plaît, juste pour cette action, cette petite retournée. Oh calme. Mettez un petit like, s'il vous plaît. Je suis pas du genre à demander habituellement. Habituellement, je le demande à la fin. Je dis genre si vous avez aimé, vous mettez un like et tout. Mais là, je vous demande, s'il vous plaît, mettez un like. S'il vous plaît. J'ai passé la saison complète avec Lyon d'au moins mettre un but comme ça. Et puis, au final, c'est arrivé... Oh, putain de merde. C'est arrivé avec Memphis Depay. Donc, voilà. 1-0 déjà. Ça fait plaisir. But magnifique. Magnifique. Oh, Fekir. Fekir, il est tout seul. Normalement, c'est le poteau. Ok. Ok, normalement, c'est le poteau. Oula, pour une fois, je suis chanceux, bordel. Bon allez, c'est la fin du match, victoire 1-0 sur un but magnifique de Memphis Depay, qu'on va aller retourner, aller voir, voilà. Pêche, au calme, victoire 1-0 face au Stade Rennais, et puis on va aller au prochain match face à Dijon, face à Dijon, je vais faire tourner quand même, je vais mettre Guiri devant, parce que juste après on a l'Ajax, ici on peut commencer... si on peut affronter l'Ajax avec un très bon score directement en commençant et pas avoir à stresser énormément comme face à l'Atlético. Enfin bref, Guiri qui augmente à 75 de général. Il augmente tranquillement. S'il y aurait moyen de genre... c'est quoi? C'est son agilité et son accélération. S'il y aurait moyen d'améliorer son accélération, je pense que je le ferais. Faudrait que je regarde un peu Paris ont perdu. Faudrait que je regarde un peu dans les entraînements s'il y a un entraînement qui augmente l'accélération. Enfin bref, Paris ont perdu leur match. Donc ça c'est bon, c'est très très bon. Donc ça serait... c'est quoi, je vais regarder maintenant. On n'a rien à perdre. Je vais regarder tout de suite. Guiri, est-ce que tu as un entraînement pour ce qui est de l'accélération, parce que ton accélération est plus sa mère. Vitesse, non. Agilité, non. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas pour l'accélération, donc tu peux pas vraiment entraîner. Bon, quoi. C'est pas grave, ça. Je vais plus entraîner ça, là. Plus entraîner la volée et tout, mettre des reprises de volée, la puissance de frappe qui augmente à 84 quand même. Il commence à être assez violent, Guiri. Je pense que la saison prochaine, il pourrait être intéressant, mais là, on va faire des changements. Memphis, tu joueras pas. Ça va être Guiri, Quaresma, Toussard, Aouar. Ouais, on fait vraiment de gros changements, quoi. Upamecano, là c'est correct, mais je veux juste pas avoir de problème avec Tété. Donc voilà, je pense qu'on va y aller comme ça. J'ai jamais joué avec Aouar en MOC, du moins je m'en souviens plus si j'ai déjà joué avec, mais on va l'essayer en MOC, pourquoi pas, juste pour le match face à Dijon, parce qu'il faut qu'on fasse tourner, parce que juste après on a le match. Limite, il faudrait que je change Ndombele aussi, mais je sais pas s'il y a quelqu'un que je peux mettre. Ah ouais, non, pas vraiment. J'ai un 68 de général, j'ai pas envie de mettre un 68 de gêne. Juste regarder les postes un peu. Ah ouais, ouais, ouais,
J'ai un peu niqué. Bon, bah, on n'a pas le choix d'y aller comme ça. C'est bon, Quaresma encore descendu. Il était à 84 au début de la saison. Là, il est rentré à 82. Je pense que Quaresma, ça va être sa seule et unique saison avec nous. Je pense que je vais essayer de le vendre l'année prochaine. Comme ça, on va être un peu débarrassé. Et puis voilà, on va se retrouver pour les meilleurs moments de ce match. C'est parti, let's go. Allez, Quaresma. Allez, Quaresma, j'ai mal parlé de toi. Est-ce que tu vas me gratter un péno? Non, il va pas gratter de péno, malheureusement. Oula, Ndombele. Ndombele, il met la pression, mais physiquement, ça tient pas, malheureusement. Iconé. Let's go, Lopez. Allez, Mendy. Ouh, il aurait pu avoir péno, mais il y a blessure, malheureusement. Attends, je vais regarder ce que c'est grave. Non, pas pour le moment. Ok. Ouf, Guiri qui prend de vitesse. Guiri prend de vitesse. J'allais dire quelle vitesse quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Guiri courir. Puis là, il se fait une vieille touche de balle. Oh, avec son genou en plus. Oh merde. Oh le poteau. Oh c'est par-dessus. C'est par-dessus la chance. Oh my god. Bon. Notre chance, faut que ça s'arrête à un moment, hein. On va pas se cacher, c'était un peu des poteaux de partout. Bon, je vais faire quelques changements. D'ailleurs, je mets Havertz en MOC. Je pense faire rentrer Dembélé, mais bon, voilà, je vais faire rentrer Dembélé, pourquoi pas. Et puis voilà. Let's go, Saint-Maximin. Fallait que je le fasse rentrer. Fallait que je fasse des changements parce que là, y a rien qui marchait devant. Saint-Maximin qui marque, égalisation du score, c'est bon ça. Allez, Saint-Maximin qui prend de vitesse. La passe à Dembélé, let's go! Let's go! 2 à 1. Bon, c'est Dembélé n'a rien fait à part la mettre dans le fond du filet, mais bon, Saint-Maximin qui s'est tapé une de ses courses. Et c'est 2 à 1. Et pas question qu'on perde ce match. Non, 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 non. Faut qu'on se crée un avantage face au PSG. Un petit écart au classement, ça pourrait être pas mal. Oh my god. Oh my god. Oh my god, égalisation Dijon 2 à 2. Ah. Là, je pense que c'est mort, on n'aura pas d'autre. On n'aura pas d'autre chance. Donc, ouais, je pense que c'est pas mal fini. Le temps supplémentaire, il passe trop vite avec le temps que je joue. Donc, les 2 minutes vont passer hyper vite. On espère juste pas que ce soit eux qui marquent parce que là, je serais dégoûté. Quand même. Bon, voilà, fin du match. Match nul, 2 à 2 face à Dijon. On a quand même fait un match nul face à la pire défense du championnat. Donc voilà. C'est un peu compliqué. Mais enfin bref, on va voir après comment ça va se passer face à l'Ajax. On espère que ça se passe super bien parce que ouais, ça va être un petit peu compliqué. Juste simuler les entraînements. Voilà. Ça c'est pas mal. C'est Seignon qui commence encore à augmenter. Qui approche des 80, 84 bientôt pour avoir. Donc voilà. Et j'avais vu joueur du mois ou un truc du genre. Joueur du mois qui est Guiri. Guiri, joueur du mois. Ok. Ah bah. Je savais pas. Je savais pas du tout. Bon. Là, on va replacer tout simplement notre dispositif. Comme ça, voilà. Tout se passe bien. Bon, on va rester avec Cessaignon, mais je pense qu'on va faire le changement de Naillet, Tété. Et là, on est bon. On retourne tout simplement dans un match de Champions League. Le premier match face à l'Ajax. En quart de finale en plus. On va juste enlever ça. Rapport final, ça, je voulais voir à quoi il ressemblait un peu. 72 de gêne, il y a des stats de fou en physique. Non, je suis pas intéressé. Fekir qui voulait jouer le prochain match, mais je suis désolé, Fekir, fallait que je te garde pour ce match face à l'Ajax. On va se retrouver, chers amis, pour les meilleurs moments de ce match. C'est parti, let's go.
Ah ouais, mais c'est n'importe quoi. Genre Antolar qui frappe, Lopez qui la met dans le filet en touchant. Malheureusement. Bon, ce sera pas un match très facile. Surtout qu'ils. Défenseurs qui ont quoi. Oh my god, mais c'est n'importe quoi. On est en train de se faire défoncer là. Allez, averti. Oh my god. Oh my god, fuck sake. Allez, de paille. Mais merde, il arrive pas à tenir sur ses fucking jambes, lui, c'est abusé. Bon, là, Memphis est censé avoir. À chaque fois qu'il y a le fucking ballon, mais il ralentit à ce fuck. Et ben voilà, fin du match. Tout simplement défaite 2-0. J'ai pas envie de vous cacher, c'est mort. J'y crois pas du tout au retour. On n'a pas l'équipe pour gagner la Champions League tout de suite. Et de toute manière, je pensais pas gagner la Champions League de la première saison. Donc, au final, bon, on est premier au championnat, mais c'est tout ce qu'il y a de bon à retenir de cet épisode. On s'est fait défoncer 2-0 et vraiment, ils ont mis une pression de fou sur notre équipe. Donc, ouais, non, j'y crois vraiment pas. Juste aller voir les scores. Ok, 2-0 pour City, 2-1 Barça Real, 1-1 cumulatif, et puis c'est pas mal ça. Donc, au final, on va s'avoir rendu en quart de finale parce que je crois pas à la remontada. Donc voilà. Et puis voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, le petit pouce bleu des familles, comme d'habitude. Vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous voulez suivre le reste de la saison. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien tout le monde. Peace.